retour sur Rogue Legacy. Bon, de la souffrance. Ah bah, saoulé la zone 5 la dernière fois, et en plus il y avait le dead, donc au plaisir. Donc quitte à souffrir, je préférais avoir un peu de plaisir quand même, si j'ai quand même du plaisir à jouer à ce jeu. Mais la zone 5, elle m'avait bien cassé les couilles la dernière fois, et je me suis dit qu'on allait prendre une petite pause sur la zone 5. Hein. Alors, cool, hein, un anticonformiste, elle est trop bien. Nanisme, maladroit. La brise, le marteau en nanisme. Allez, vas-y, on va partir là-dessus. On n'a pas atteint le boss la dernière fois. Et ça, c'est un plaisir. Plus personne n'a rien à me dire. Alors attendez, je me remets dans les contrôles. Ok, on est parti. Vas-y, prends ma thune là. Espèce de rat. Charon le rat. Ah. Quel enfer. Alors. Ah, c'était là. Tour solaire. Je me rappelle, j'ai les flashbacks là. What the fuck? En cours de réparation. Par décret de l'Estoirade, les fonds d'après-guerre serviront en majeure partie à la reconstruction de la tour solaire. Tout vol de ressources se trouvant sur le chantier sera considéré comme un acte de trahison passible de la peine de mort. Profitez d'un bonus de 20% aux pièces d'or dans la tour solaire. Ah ouais? C'est nouveau ça. Quel enfer. Quel enfer, alors on commence bien. Dans ma vie. C'est une bonne première game. C'est l'enfer cette zone, putain. Elle veut pas, hein, la zone de la tour solaire. J'ai déjà envie de racheter le jeu. De la merde. Ouais. Anticonformiste. Alors, je suis une rôdeuse avec des gants de boxe, un bateau pirate et une bombe de poison. Oh, le bateau pirate. Et les émotions des autres vous effleurent. Je ne vois pas les dégâts que j'inflige. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, on va partir là-dessus. Bateau pirate. Le bateau pirate, c'était trop bien. On l'avait perdu de manière débile. Comme toutes les fois où je suis mort dans cette zone. J'ai un bout de viande dans les dents. Insupportable. Pour protéger la mec qui est dangereux, il dépassera bientôt son maître. Nous ne pouvons pas nous fier à quelqu'un possédant tant de pouvoir. Z l'a convaincu de rejoindre notre cause, mais j'y ai tout de même allé à la citadelle. Il est toujours le larbin de son maître. Il a retourné sa veste une fois, il la retournera à nouveau. Les deux maîtres. Alors, Kiki qui m'a dit que c'était pour plus tard dans le jeu, nique sa mère, Sheka il avait raison. Allez, une plateforme. Je crois que c'était Sheka qui m'avait dit ça. Donc là, j'ai des gants de boxe, des super gants de boxe, c'est ça? C'est quoi la différence avec les autres? Percute, ok. Dit quoi? Que le souvenir qui était au début là, on pouvait le choper avec une plateforme. J'avais pas encore la avec une plateforme de rôdeur, si je pouvais rester fixe. Non, c'était pas toi? Rôdeur, j'ai augmenté mes dégâts critiques, mais c'est tout quoi. Si, c'est moi. Voilà, t'avais raison.
Il y avait un mec qui m'avait dit des conneries. Ah putain, quel enfer. Quel enfer. J'ai envie de mourir. Mais y'a rien ici. Pourquoi je viens là? Y'a rien du tout là. Je suis venu ici comme s'il y avait un chemin, mais... Alors voilà, j'ai récupéré les souvenirs grâce au bateau. C'est trop bien le bateau. Je veux juste savoir où est le boss, s'il vous plaît. Je veux juste savoir où est le boss. Y'a pas... Elle est où la chambre du boss, putain? L'enfer. Ah, Sheka, tu l'as fini en une heure, c'est impressionnant quoi. Rien qui m'intéresse. Je vais garder le bateau. Pour ça. This is my boat. On va essayer de monter le plus rapidement possible. Je vais partir du principe qu'il faut que j'aille tout en haut pour affronter un boss. Wouh! C'est l'enfer du cul ici! Quel enfer, au secours! Eux, ils font des naines blanches. J'aimerais bien regagner un peu de vie. Oh là là, mais quel enfer! Cette zone. Il est où le boss, putain de sa race? Je sens qu'il est tout en haut, mais ça me casse les couilles d'aller en haut. Cartographe et rat de bibliothèque. Vas-y, on les a jamais fait. Allez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les wheelés au piège? On va augmenter l'armure. Ouais, on va augmenter l'armure. Voilà, hop. Et il prendra ma thune comme ça. Tac. Alors, c'est quoi, équipement? Vous avez les cartes en quête, la carte est révélée intégralement, mais sans marqueur de position. M'en bats les couilles. Un télo de haut niveau. Plus 50% de dégâts magiques, 50% de PMA, moins 25% de PV. Ok, vas-y, bébé. Ok, this is the one. This is the one. This is the game. Alors, par contre, j'ai pas de marqueur de position. Carte révélée intégralement, mais pas de marqueur de position. C'est pas grave, on est dans Hollow Knight. Ok. Ah. Attends. Attends, ça veut dire que j'ai été TP là? Ah non, je peux pas. J'ai pas les TP. Faut que j'y aille quand même. Je peux voir la tour solaire. Vas-y, let's go.
C'est un piège. Donc là, ok, voyez-moi un peu à quoi ressemble cette carte. Ah, mais quel enfer! Ah, et c'est bien ça, le boss, il est tout en haut! Ok, là, il y a des salles spéciales. Là, il y a un truc spécial ici. Ok. Deux fois plus de dégâts. Mais je suis une chips. J'ai déjà envie de mourir. Y'a pas de la bouffe là? Donc confirmation, faut que j'aille tout en haut et c'est un enfer. Y'a rien en plus ici. Heureusement que j'ai augmenté ma défense, hein. On va essayer de la jouer sécu. On disait si je pouvais atteindre... Alors là, ouais, il y a juste un coffre. J'ai envie de canner. Au secours. Ouais, mais c'est pire ici. Pas bon, je pensais que j'avais un petit niveau sur ce jeu, puis il y a eu la zone soc. 15% de remise en or sur le prix dans toutes les boutiques. Ah. Donc là, enflammé, propulsé des tirs explosifs après une forme de comète. Oh oui, vas-y. Astromancienne avec gantelet enflammé. 20% d'intelligence, fait dégâts infligés à affichage. Ça va être particulier, hein. Mais j'ai la forme de comète toujours. Et j'ai 20% dans les boutiques, vas-y, testons des trucs. Je peux être full sanguinaire aussi. Je peux pas l'acheter. J'ai envie de mourir. Et fais voir, il y a quoi dans mes talismans? J'ai pas grand chose de ouf, normalement. Rune de capacité. Besoin augmente la quantité maximum de mana. La copie vous confère du mana, ouais, bof. Je vais acheter garde, voilà, histoire de dire que j'ai acheté des trucs. Et profiter de ma petite réduction. Allez, vas-y, prends mon argent, on est reparti. C'est l'enfer. Je veux juste accéder au boss du niveau 5, s'il vous plaît. C'est moi, je lui prends mal, hein. Je pue la race et je prends tous les dégâts qu'il y a. S'il faut prendre des dégâts, si à chaque... C'est de la merde. Je prends des dégâts d'explosion. Bon, plus jamais je joue cette classe, hein. Je suis fatigué.
putain. J'en ai marre. Secours. Il n'y a rien d'autre ici à part le coffre. Oh mais il n'y a rien ici. Ah mais quel enfer. Des coffres, un restaure d'info santé. Notre empire minimaliste. Ouais, on va partir avec lui. Ouvrir des coffres, restaure de la santé à raison de 100% des points d'intelligence. Pas beaucoup d'intelligence, moi. Allez, prends ma thune, j'en ai marre! Je voulais faire un 100% sur ce jeu. Puis la zone SAT m'a dit non. Non, 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 non. Tu vas te faire foutre. J'ai envie de canner. Mais à l'aide. Ah non mais j'ai pas clownotropie, donc je suis obligé de passer par là. Heureusement qu'il y a un coffre. Putain, c'est un cul-de-sac. Quel enfer. Au secours, Sheka. J'ai besoin de toi. Au grand maître. Tu étais tellement dans le futur comparé à moi. Oui, j'ai besoin de ton soutien. J'en veux plus, j'en veux plus. Je sais pas comment t'as fait, ouais, mais t'as boosté tout correctement. Moi j'étais en mode, ah je vais débloquer tout, comme ça j'aurai tout l'arbre, connard. Je me déteste. Ah putain, j'ai envie de mourir. Courage, c'est dur en bas, mais toi t'as réussi ultra facilement. Je pensais pas que la zone sainte ça allait être tant un enfer. C'est pour ça que j'ai du mal à le croire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis plus tant la merde que ça. Au secours.
Et j'ai du skill, moi. Oh, au final, repars, j'ai pas besoin de ton soutien. C'est pas bien de dire ça alors que je suis déprimé, ça me déprime là. Les sorts lancés avec la barre de PM pleine inflige 25%. Ouais, yes, avec un barbare, trop bien. Pff, souffle incendiaire. Hein. Voilà, dame. Voilà, est-ce que je vais reprendre. Ouais, tu vois, c'est peut-être pour ça. Rôdeuse, sac de cuir, forme de couette, souffle incendiaire. Rien qui va. En fait, 100% de santé en plus, mais je ne peux pas me soigner, il faut savoir. Vas-y, let's go. Ça me déprime. Je tryhard avec mon main aussi. Ah, t'étais resté sur une seule classe. C'est ça? Augmente la dégâts des armes et des feux. Ouais, vas-y. Ça, c'est quoi ça? Augmente la dégâts. Augmente les dégâts des armes, vas-y. Avec la classe verrouillée, c'est ça? Et toi, t'étais. Ah oui, avec l'arbalète. C'est vrai. T'étais à l'arc. Donc t'y allais peut-être un peu plus tranquille que moi, résultat avec l'arc. Let's go la cuillère. Quel plaisir. La cuillère, j'étais pas mal la dernière fois. Je peux être bon avec la cuillère. Oui aussi. Ouais, t'y allais tranquille. Alors que moi j'y vais pas tranquille, putain, mais ma vie c'est de la merde. Mignon avec mes cuillères. Quel enfer. Quel enfer. Faudrait que je monte au maximum par là, quoi. J'ai envie de prendre le coffre un peu, histoire d'être greedy. Parce que ma vie, c'est de la merde. Parce que ça se passe mal, autant que ça se passe mal jusqu'au bout. À l'aide. God damn! Ah mais là c'est le truc des calepins. Putain, on l'avait trouvé qu'une fois ça, résultat. 18 jours après, voyons. L'homme qui ne pense rien avoir à apprendre est un homme qui ne sait rien. La philosophe nous insiste pour que je continue à suivre cette thérapie qui consiste à tenir un journal. Je dois admettre qu'il est compétent, mais le postulat de départ de son diagnostic est erroné. Il pense que l'esprit d'un expert est comparé à celui d'une personne ordinaire. Voilà ce qu'il faut, son raisonnement. Nous sommes des créatures tout à fait différentes. Les tourments qu'il mettrait à genoux ne me fait même pas transpirer. Il ne se rend pas compte de la quantité de travail nécessaire à la gestion d'un royaume. Mon subconscient et mon esprit est affûté. Même après 8 jours d'insomnie, je suis plus perspicace qu'il ne sera jamais.
À l'aide. Toujours à l'aide. Au secours! Au secours! Au secours! J'étais pas prêt! Pas mal là, mais c'est pas encore ça. Hein. Donnez-moi de la. Ah, bah oui, j'ai pas le droit de bouffe. J'ai pas le droit à la bouffe, c'est vrai. Non, nuque ta mère, je m'en fous. Là, le boss. Je veux changer de zone. J'en ai marre de cette zone, il faut voler partout, quoi. Au secours! Je crois que je vais le verrouiller hein, après. J'ai tellement envie de le passer ce bot. Allez, let's go, entrée. Ah non, putain. Enfin le boss, putain. What the fuck, man. Qu'est-ce que c'est les histoires là. Ok, ça pue du cul. Ah, ça me rappelle le premier boss de Rogue, du premier Rogue Legacy. Ouais, on tape. Je lui fais rien. Ma vie, c'est de la merde. Ah, mais ça, et ça, bien sûr. Ça, bien sûr, ça fait des dégâts aussi. Ouais, j'adore ma vie. Ah putain, je vais en plein là où il faut pas. J'adore ma vie. Ok, pas avec la cuillère. Pas avec la cuillère. Non. Non, pas avec ça non plus. Sans lancer avec les... Ouais, bof. Poil à frire. Peut-être avec la... Ah, peut-être avec la poêle à frire. Syndrome de fatigue chronique, rayon gravitationnel, ragoût. Ouais, vas-y, tous les jours. Tous les jours, le chef poil à frire, vas-y, let's go. Détermination, non. J'ai rien pour l'armure, là. On augmente les dégâts. Hein. Verrouiller le monde une fois. Prends 18%, vas-y. Amuse-toi. Prends 18% de ma thune. Là, je m'en bats les couilles, je vais aller directement au boss. Je m'en bats les noix. Et ensuite, aller explorer la zone 6, putain. J'en ai chié sur ce boss, bah t'inquiète. Moi j'en ai chié pour atteindre ce boss. En résultat, je vais lui claquer son fiac tellement d'une manière forte que ça sera plus un fiac, ça sera une plaque de téflon rouge ensanglantée. Je sais pas si mon analogie est incroyable. Ah putain, j'en ai déjà marre, il y a des pics partout. Ah ouais, mais ça oui, ok, d'accord, ok, nique sa mère.
Vas-y, verrouille le monde pour de bon. Balais-moi, prends 36% de ma thune. Je m'en fous. Je veux juste passer ce putain de boss et aller à la fin de la zone. Putain de zone 6 là, putain. Je sens que ça va être infernal la zone 6. Hein. Je vais gagner de moins en moins de thunes. Hein. Ouais, je manque de mobilité. Je suis pas mal en dégâts là, mais... J'en prends trop aussi, quoi. Ah. C'est chaud, là. En vrai... Ouais, vas-y, je suis... Oh là 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 là. Ah, résultat, il prend quoi? Moins 54%, putain, quel enfer. Vas-y, dès que j'ai un astromancien, ouais, moins 54% quand même, mal au cul de tout ce qu'il va apprendre sur l'or, là. Résultat, t'as verrouillé la zone ou t'as recommencé à chaque fois la zone? Toi. Une fois que t'avais trouvé le boss. J'ai envie de mourir. J'ai verrouillé. Quel enfer! Deuxième phase. Ah, j'étais bien parti. J'ai eu en verrouillant aussi celui-ci tellement horrible la zone, je voulais pas me la retaper encore et encore.
Comment va Nyx Nyx. Je vais t'appeler Nyx. Nyx for the work. On est d'accord. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Vous qui avez fini le jeu, là. S'il vous plaît. J'ai envie de pleurer tellement la zone, elle me casse les couilles. Dites-moi que la zone d'après, ça va. C'est quoi la D5? Je l'ai jamais pris. Ouais, je pense que... Je vais perdre trop de thunes. Je vais perdre trop de thunes. Moins 70 de thunes. Mais arrivé à un moment, y a plus rien en fait. La zone d'après, je préfère même si elle est dure. Ah non, l'autre là où on monte tout le temps, là j'en pouvais plus, là j'en peux plus, là. J'ai fait je sais pas combien de temps dessus avant juste d'atteindre le boss, quoi. Je la trouve infernale, quoi. Qu'il faut que tu gères tes sauts et tous les mobs ils sont casse-couilles, c'est... Desync. C'est quoi Desync? Je vois pas mon perso. Je vois juste mon petit cœur. Moins 25%, mais on ne peut vous atteindre qu'en plein cœur. MDR, c'est en mode Undertale. J'aime bien. Bon, par contre, mon sort est pas ouf. Hein. Je suis en magot. Ok, j'aime bien. C'est pas mal des 5. Mais moins de santé, quoi. Putain, je suis allé en plein dedans. Ah putain, c'était sûr. Ah, je peux faire ça. Bon, y a un truc, je commence à voir les patterns et tout, mais c'est la phase 3 qui va être un enfer. Y'a rien qui m'intéresse. Vas-y, prends-la. Prends-la, let's go. Moins 62%, ah on est redevenu... Ah oui, parce que j'ai des bonus, yes, trop bien. Ah, moins 70, c'est le max. Ok, d'accord. Bon, ça va. Ah, ça va alors. Je suis avec un perso qui va être... Ça va être un enfer. Si, j'ai mon Y qui est pas mal. Le Y est pas mal, mais... Est-ce que j'ai le skill pour... Pas sûr. Ça n'a pas transformé en projectile. J'ai envie de mourir. C'était sûr que ça allait mal se passer, hein, sur...
Allez, donnez-moi un truc que je kiffe, là. Donnez-moi... Redonnez-moi le barbare, là. Ah, il me redonne un barbare. Il me redonne un barbare sans rien. On va partir avec le barbare. C'était pas mal, le barbare. Barbare marteau. J'ai assez farmé dans la zone en plus. Et fuck le lore de la zone. On en fera un autre moment. J'ai plus l'objectif de faire un 100% là. J'ai juste envie de finir le jeu et de passer à autre chose. Cette zone ne me donne plus envie. Éventuellement, le speedrun, et ni pourcent la mèche. Pourcent la mèche pourrait être pas mal. Non mais non, mais je fais de la merde aussi. Ah ouais, mais je fais pas d'effort aussi. À l'aide. J'adore le marteau. Bah c'est... Ah ouais, mais si je fais pas gaffe aussi à ce que je fais. Non mais je fais exprès. Ah, changeons un peu de côté. Bah ouais, mais fais pas des... Fais un effort. Ah non mais je fais pas d'effort, c'est des coups simples et je me foire. Mais j'ai plus de vie. Jamais. On arrive à la phase 2 juste histoire 2. Mais c'est foutu. Très épileptique le truc que tout soit rouge comme ça. J'ai rien qui fait du gros dégât en plus. C'est très frustrant. Lanceur dragon avec abysse, plus d'armure. Avec labris et obscurité. Et propagation fongique. Anticonfirmis, vampiris. Un point de santé. Ouais. Ah vas-y, vas-y. Ça peut être funny funny, j'avoue. Archer crit. Ouais, bah. J'ai rien en crit. Moi, mes stats, elles sont en répa... Moi, j'ai fait le noobie, hein. J'ai fait le bouffon qui voulait récupérer, refaire tout l'arbre de talent. Maintenant, tout ce que je veux monter, à chaque fois, ça coûte la peau du cul, quoi. Ah ouais, ça m'apprendra, hein. La tour solaire, hop. Alors, le problème de barbare, c'est que... comme je disais, aucun déplacement. En tout cas, pour la hache. Je peux pas me déplacer si je fais ça, Celle est un con. Coucou, j'ai rien entendu. Ah ouais, mais j'ai le son. Coucou Faustin Game. Vous venez... Merci du follow, j'ai rien entendu. Ah, je suis désolé, j'avais les sons coupés. Ah,
T'es un con. Ah, on arrive et on m'insulte. Déjà. Il voulait essayer. Il a vu les 300 points. Il a fait ah, c'est génial ça, je peux insulter comme ça. Alors, bien sûr, gentiment. Épée datée. Avec boxeur. Gantelet enflammé. Y'a rien qui va là-dedans. Y'a rien qui va. Côté dessus mortel avec arc de guerre. Pistolier. Synesthésie. Vas-y, vas-y, on va essayer ça, j'ai pas épée datée. Je vais me prendre des dégâts. En fait, c'est pas le boss qui va me tuer là. Là, c'est mes propres coups qui vont me tuer. Oh là là. Ça fait combien de temps là? Ça fait 46 minutes? J'ai l'impression que ça fait 5 heures que je suis dessus. Hein. J'adore ce jeu, hein. J'adore ce jeu, hein, mais j'ai... Faut que je m'installe un Punching Ball en fait. Je pense que ça me détendrait sur ce genre de jeu. Bon Punching Ball, genre un mannequin d'entraînement sinon. Ah, je suis puritain. Ah, quel enfer. Y'avait des Kunasai. 152 dégâts supplémentaires, mais cette relique est fragile. La relique est cassée. Yes. Putain. Au secours. C'est un enfer. Bah, mais c'est pas moi qui suis pas dur aussi, hein. Ouais, je fais que de la merde. Il me saoule avec ses boules bleues là. Puritain, c'est horrible. Hein. Je ne vois rien. Un bon mannequin qui prend de bonnes savates. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si j'avais la place, je le sortirais que pour les streams. Sur certains jeux. Genre ce genre de jeu, là. Grosse patate, là. Et je l'appellerais genre un truc Electronic Arts. Je l'appellerais EA. Oh là là. C'est quoi ça? Mesure de l'achésis. Vous regagnez 6% de santé maximale chaque fois que vous terrassez un ennemi. De la merde. Crise de panique. Les coups subis obscurcissent l'écran. Yes, ça c'est un enfer. En plus, y'a rien qui me bat là-dedans. Là. Ah, mais la poêle, elle me sert à rien. Ah, vas-y, on va tester avec la cuillère. La légendaire cuillère. Comment on va sinon, ce posti? Sans le vouloir, j'ai l'impression de t'appeler pour un nom de thé glacé. Je sais pas si vous connaissez le Fusty. Je sais que c'est Fusty. 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 Mais comme j'ai un problème de prononciation parce que je suis un connard, je vais penser à un thé glacé. Ensuite, c'est un très bon thé glacé. Pire zone. Préféré, Elden Ring c'était plus sympa. Hein. Je bloquais moins. Hein. Franchement, je connais, t'inquiète. Ah, on est d'accord, c'est une bonne. Un peu moins sucré au niveau du goût. Mais quel connard.
Ah mais je fais... Alors j'ai l'impression a fait du dégât la cuillère. Elle est très bien. Mais par contre je suis plus la merde en esquive. Faut juste que... Je pense que je peux faire du rebond en plus de l'autre côté mais... Qu'est-ce que je vais jouer là? Ils commencent à me donner des antiquités parce que je leur fais de la peine. Si j'ai paré ça, on augmente. J'ai crescendo grand enflammé sous l'incendiaire. Ok, revolver cinétique. On octroie des dégâts armes bonus pour chaque point de détermination sous les 100%. Un résultat, les coups de pied tournoyés infligent armure fracassée pendant 3,5 secondes. Ah vas-y, pistolier. Ah mes résultats, limite, augmenter mes dégâts, je pars en sanguinaire quoi. Ah mais non. J'essaie de perdre de la détermination, donc résultat, hop. Corpulent. Ah parce que je suis trop lourd là. Attends. Reprenons. Donc là, je suis en léger, mais j'ai trop de détermination. Là, on va augmenter mon armure. Hop. Bon, 75 de détermination. Là j'ai plus d'un en rune de vie. Et là je suis à moins 83. Mais là j'ai augmenté ma vitalité et j'ai pas de dégâts. Et sur ça, c'est force dégâts des armes. Ok, on va partir là-dessus. On va tenter là-dessus. En plus la petite tenue sanguinaire a quand même un petit style. Ok, donc là, résultat, j'ai 1% bonus actuel 17%. Ok. On tente des trucs. De toute façon, on a le temps. C'est vendredi soir. On a le temps. On est là pour 2 heures. Encore. Avant de passer sur Evil Dead pour aller me saler, mais un peu moins quand même. Faut que je finisse un des 3 jeux que j'ai commencé. Hein, parce que... J'ai 3 jeux en même temps. 3 jeux, c'était trop. Lancer 3 jeux. 3 jeux longs en plus. Graveyard Keeper, il était déjà lancé depuis longtemps. Et Rogue Legacy, putain, il est hardcore. Et vampire des fois, j'ai pas envie de faire du vampire. Ah ouais, mais par contre, si je recharge pas, il va y avoir des problèmes. Mais non, tu fais de la merde. Je fais de la merde. Ma copine, tu dois m'entendre rager, elle doit se dire, ah ouais, il passe un beau moment ce soir. Tous les ennemis à proximité. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal en vrai. En vrai. Par contre, je vais revenir avec. Ouais, j'ai pas besoin de ma détermination. Là, j'ai déjà plus de vol de vie. Rôle de vie. Ah, mais non. Alors attends, retirer tout l'équipement, ok. Là, je repars en armure. Ouais, je vais repartir en simple. Là, je gagne de la détermination, mais je sais pas si c'est... Je suis salé, hein. Je suis salé, mais tellement, quoi.
Ou sinon, il me faudrait une manette que je peux balancer. Une manette indestructible. Ça serait pas une trop bonne idée, genre Rhino Shield qui fait des manettes. De qualité en plus. Indestructible. Je pense que le design à faire. Tu veux aller. Non mais je suis pas maso. Enfin si un peu, mais pas à ce point. Non, je vais pas aller me détendre sur. Non mais lol, je peux pas. En fait, lol, je vais. Ça va, parce que c'est pas. J'ai pas d'implication dans le jeu. J'ai pas d'implication dans le jeu, donc je risque rien. Ça va me saouler, je vais me faire chier, c'est tout. Ah, mais quel enfer. Alors qu'il fait des combos comme ça. J'ai déjà plus de vie, j'ai aucune armure. C'est un enfer. C'est juste moi, c'est la fin de semaine. Et en plus, vous. C'est pas. Non, je sais pourquoi. Oh putain, l'arc. Y'a rien qui me parle là en armes. Vas-y, why not? Non mais en plus je suis fatigué, voilà, j'ai dû faire la matinale ce matin à 9h, je suis levé depuis 8h. Voilà, c'est la fatigue, c'est. Voilà, je choisis vraiment. J'aurais dû jouer à du graveyard pendant 2h. Comme j'étais fatigué, comme ça je me serais endormi en stream. Et on aurait passé un bon moment. Sur certaines vieilles VOD. Alors normalement, à des moments très brefs, vous pouvez me voir m'endormir en stream. Je sais plus, sur des jeux, sur des point and click, en mode je tournais en rond pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, sur une énigme, et genre, elle me rendait folle l'énigme, et résultat, je m'endors. Ah ouais, j'ai le colon irritable, ok. Yes. Et je m'endors, mais juste très brièvement, tu vois, genre pendant 5 ou 10 secondes. Oui, je retrouve ces moments-là, ces vieux trucs à l'ancienne. J'ai envie de mourir. Ça veut pas, hein. Ouais, je me prends des dégâts parce que je suis une nouille. Ah, je suis pire. Hein. Avec quoi je pourrais. Attends, avec quoi ça s'est bien passé? En vrai, le seul truc où ça s'est bien passé, c'est le barbare. Ah bah oui, ça, gigantisme. L'œil de Cthulhu, coucou Sigma. Ah, vous êtes tous là pour me voir casser des culs. Ouais, on peut tester avec boxeuse. Ça, jamais ça passe. On va tester avec boxeuse, vas-y. Comment on va, Omega? Les gens qui débarquent sur le stream et que j'appelle. Qui se disent pourquoi ils l'appellent Omega alors qu'il s'appelle Sigma. C'est comme Tanuki, tu vois, je l'appelle Tanuki alors qu'il s'appelle pas. Maintenant son nom c'est Pattern.
Pour moi, mon premier viewer, il s'appelait Taoki, j'ai pris l'habitude de l'appeler Taoki, je l'appelle toujours Taoki. J'ai cru que je l'avais admis. Tu viens me voir me faire laver le fiac? Ah, c'est un grand moment de plaisir. J'espère que vous faites pas trop chier, hein, parce qu'on est sur du gros gameplay. C'est pas mal boxeur en vrai. Mais faut que je me réveille un peu quoi. En vrai boxeur c'était pas mal. Je t'en prie, appelle-moi Wolf. Ouais Wolf. Ouais c'est pas Omega, ouais c'est Wolf. Ça marche avec les deux comptes. Ouais mais Wolf c'est à la fin quoi. Boxeur c'était pas mal, forme de comète, 246%, l'attaque de la sieste surprise, tous les sorts et talents ont un temps de recharge, on fait un petit tour, petite détente farm. Je pense que c'est la pire idée. Détente farm sur celui-là ou au final, ah ouais farm à 4%. Attends, j'ai plus 268 et il me prend 70% de ma thune. Il y a un problème de calcul là-dedans. Un problème de calcul. Tu es un fromage, I'm a cheese. Oh, j'ai vu... Vous avez vu Buffy? Vous connaissez Buffy contre les vampires? Est-ce que vous vous souvenez des épisodes? Vous vous souvenez de l'épisode où on voit la première chasseuse? C'est, ils font tous des cauchemars et il y a un mec qui a du fromage. Le mec s'appelle l'homme au fromage. On connaît pas. Je suis trop vieux. J'avoue, ça a commencé 97, Buffy. Ça se trouve, il y en a qui étaient même pas nés. Pacifiste. Non. Deuxième, seul les coups critiques. Quel enfer. La faute Charon, en plus, c'est de la merde. Ils m'ont donné que des propositions de daube. Quel plaisir. Non. C'est quoi déjà? Je me suis dit que c'est la faux. Ah ouais, la faux, c'est de la merde. La faux, c'est de la merde. Faut que je. Faut... Oh. Y'a rien qui va dans le combo. J'ai envie de retirer anticonformiste hein, du truc pour l'instant. Peut-être verrouiller une classe. J'ai dit quoi? J'ai dit... Celle avec laquelle ça se passait le mieux... C'était la... Attends, il y en avait deux. Astromancien, non. Chevaleresse, non. Barbare, c'était barbare. Et on sort, frappe de gel, spectre de rouge, bombe de poison, boule de feu. Carte d'essence du ressenti. Ouais, on va juste verrouiller barbare. Ouais, la cuillère aussi, il y a peut-être moyen. On va tenter avec chef. On va tenter avec chef, avec la cuillère, ça peut être pas mal. Si je fais rebondir sur le truc au milieu, peut-être qu'il y a moyen que je fasse du dégât.
Oui, oui, prends mon or. Ouais, t'as pris 13 pièces, frère. Le vieux à la houe qu'il a volé, seul gars avec un chara-design. Au seul gars avec... Le vieux. Mais non, oui, c'est la seule arme qui a un vrai chara-design. Envoie-moi. Le mec a que... J'ai 12 ans, mais il a déjà une barbe de vieux. Une, elle. Elle, parce que je crois que c'est une femme. C'est une demoiselle, fais voir. Stat. Dame Lucie, femme à barbe. Astro ancienne. Donc là, là, c'est un enfer. Ouais, c'est un enfer. C'est pas jouable, ça. C'est un enfer, là-haut. C'est vraiment de la merde, là-haut. Hein. C'est, ils ont réussi à faire pire que la rapière. Sauter aussi haut qu'un plombier. Du coup, en mana et dégâts des infligés par essor sont... Waouh, avec le rayon gravitationnel, vas-y, tous les jours. Attends, j'ai bien pris la cuillère. Ouais, j'ai bien pris la cuillère. En vrai, si je fais rebondir... Si je gère un peu et que je fais rebondir la cuillère sur le milieu, on peut peut-être faire un truc incroyable. Peut-être. La soupe aux yeux. Ah! Mon plat préféré d'Halloween. Avec des vrais yeux. Ouais, putain, je regarde Buffy en ce moment, donc tout me fait penser à Buffy. Alors, si je calcule bien mon coup. Quel connard. Quel connard. Ok, j'ai pas la distance assez longue pour faire... Je suis pas très doué aussi. Hein. Pas d'effort. Hein. Ça allait vite avec machin là. En vrai, ça allait vite de ouf avec la chef. Je fais beaucoup plus de dégâts. Ah, avec la chef ça va bien. Petite soupe. Ok, on va refaire de la soupe. Avec la chef ça peut être vraiment, vraiment très cool. Mais faut juste que je gère mes déplacements, c'est tout. C'est tout. Tu m'as tendu. Pourquoi je t'ai tendu? Oh, y a peu de chances que ça passe. La phase 2 elle est arrivée, il me restait plus rien en vie. Alors, détends-toi. Détends-toi, Wolf. T'inquiète pas. Dessine-moi des patates. Fais-moi une patate. Ça fait longtemps, on a plus tes patates dans le channel sur Discord. Ça manque. Oh non, mais j'ai pas pris la... À 1 HP, j'y ai cru. Non, je vais cuire. Là, je veux quitter cette zone, quoi. Je veux un autre gameplay. 100% de santé en plus, mais vous ne pouvez pas vous soigner. Ça marche avec... Ça marche pas avec Ragou? Bon, on testera. J'ai quand même le Ragou.
Donc on va tester quand même. Alors, si ça peut me stopper dans les airs. 100% de santé en plus, je suis à 648. En vrai, ça peut ne pas être déconnant. C'est autant que ce que je pourrais me soigner. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud alors qu'il fait pas chaud. C'est juste mentalement. Ça, j'ai une température très haute. Je suis chaude. Oh là, je suis dans le soleil. Effectivement, je suis peut-être chaude comme ça aussi. Ah mais tu triches là. Tu triches. Ah, tu me saoules. Ah mais non, j'étais pas dans le bon axe. Quel enfer. De la merde. J'étais pas dans le time. Quoi ça? Pourquoi je peux pas faire de combo comme ça là? Ah! Ton stream est un mystère. Il y a une minute, tu as 3 viewers, puis une minute après, t'es à 20. Ne t'occupe pas de ça. Y'a aucun problème. Mon stream est un mystère. Bon, ouais, j'ai déjà expliqué, j'ai la flemme. En partie grâce à Streamrunner sur lequel je squatte un peu. Chat roulette du stream. Attends, j'ai bien pris la cuillère. Attends, j'avais des malus, des bonus. Est-ce que j'ai des bonus ou des malus? Stat, j'ai rien. Un rayon Tesla, yes. Inutile. Bon, cette fois, je peux me heal. Moi, bon, ça revient à la même chose quasiment. Maintenant, tu es à 6. Eh bah, écoute. Restons à 6. Essayons, levez les bras et croyez en moi. Non mais je suis débile aussi. Je fais pas d'effort, fais un effort. Non, non, mais non, mais non. Tout va bien. Il faut que je respire un peu. Faut que je respire, faut que je fume une clope. Faut que je respire de la nicotine. Tout va bien, c'est... je peux le faire, je peux le faire. J'en attendais plus de toi. Tu étais l'élu. En noir et blanc. Ah mais putain, je suis avec la casserole là. Putain, mais j'en ai marre. Sigma... non, pas Sigma. Sheka, il m'a dit... La cuillère, la prends jamais, c'est un enfer.
Résultat, je crois que c'est l'arme avec laquelle j'ai le plus joué. Non, c'est un catégorie affecté par un effet de statut. Oh, c'est trop bien ça! Bah oui, oui, this is the way. Insensible, je ne vois pas ma santé, c'est pas grave. Dans le chat, vous allez voir les dégâts que je prends et vous allez noter pour moi. Est-ce que je sais combien j'ai de santé quand même? Vitalité 32. Non, je vais me faire foutre, ok. Vous avez bien entendu le chat. Dès que vous voyez que je prends un dégât, vous le notez dans le chat et vous calculez. Et à chaque fois, vous faites la somme totale des dégâts que j'ai pris. Comme ça, je sais à combien je suis. Pire idée. Vous allez me dire, il me reste 60 points de vie alors que je serais déjà mort à cause de la latence. Allez, we can do it. Ok, flemme. Ah putain, Sheka. De toute façon, Sheka, t'es en train de faire autre chose, toi. Ah bah, on voit pas les dégâts, en fait. Vous avez rien à noter. Ça règle la question. C'est pas mal comme ça. Ah, c'est pas mal là. C'est pas mal mais c'est pas encore ça. C'est pas... Ah, c'était bien. Tu as subi des dégâts. Oh putain. J'aurais fini. C'était pas mal. Ok, donc sur la phase 2, la cuillère est pas mal. Parce qu'il y a un rebond. Le problème, c'est qu'il y a deux fois plus de boulettes. Faut que j'emmagasine. Je m'améliore. Je m'améliore. Encore parfait, mais je m'améliore. Combien de temps? 1h18. Ouais, ça va, on fait le boss que depuis 45 minutes. Je crois. Non, non, même pas une demi-heure. Ouais, vas-y. Ah non, faut que je garde le double saut pour esquiver. Ok. Non, non, je suis tombé. Pire idée. Oh non, il y a trop de bouboules. Il y a trop de bouboules. Ah.
la divine cuillère en bois. Mais si, tu connais pas Yukita Japan? Non, c'est quoi? C'est Food Wars. Tu connais pas Food Wars? Shingeki... c'est... Comment il s'appelle? C'est Soma. Seuls les coups critiques de compétences et les coups de pied de tournoyant. Inflige des dégâts. Non, je nique ta mère. C'est Soma. C'est Sogeki no Soma. Je crois que c'est ça. C'est comme ça qu'il s'appelle dans Food Wars. Taper une barre de céréales, je suis content. Je me suis tapé une barre de céréales. Je me suis tapé. Comment tu sais que j'ai mangé une barre de céréales ce matin? T'as regardé. Vous voyez des choses sur mon stream que je ne vois pas. Vous avez le troisième œil à mon avis dans mon chat. Hein. La sainte cuillère. Cuillère. Par le pouvoir du roi Burgonde, que Guillaume Bria vienne pour m'aider la sainte cuillère. Je troll sur Big, une cuillère en bois soit plus forte qu'une fois archi badass. Ah, c'est la cuillère de... Ah mais quel enfer. Ah la phase 2, les boulettes, elles, c'est insupportable. Avec ce taper des barres. Tu t'es tapé une barre de céréales. Ah oui, d'accord. Ok, sinon je peux prédire l'avenir, mais ça c'est autre chose. Ok. Ok. Ah bah tiens. Tiens. Ah. À propos de prédire l'avenir. Est-ce que ça serait pas le moment de faire des prédictions? Vous voulez perdre vos points? Vous voulez gagner vos points? Vous voulez gagner des points? Je rappelle que pour 20 000 points de chaîne, vous pouvez gagner dans une liste aléatoire un jeu vidéo allant du petit jeu indé au très gros triple A. Voilà, vous ne pouvez pas choisir le jeu, je le rappelle. Commencez la prédiction, la win. Voilà, vous avez une minute. Vous avez une minute. Voilà. Est-ce que ça sera la bonne run? Sachant que je m'améliore. Ah, j'adore. Je me sens soutenu quand vous pariez 10 sur ma victoire seulement. C'est pas la soirée pour un... Non mais... Ah, au moins tu mets la win. Vous avez tous parié 10. Eh, vous êtes des connards. Vous êtes vraiment des salauds. Ah non, c'est pas la win. C'est pas celle-là. C'est pas cette game. Ça, c'est parce que j'ai ouvert les prédictions. C'est un enfer. Ça y est, c'est un enfer. Je regagne des points de vie. Et je repère direct. J'adore ma vie. Ah non, c'est pas la bonne. Bah heureusement que vous avez parié que 30. C'était pas la bonne. J'ai trop fait le malin. Oh, y a rien qui allait.
Là, les gens qui viennent de découvrir mon stream et qui me voient en perdre en chaîne, là, c'est bon, j'ai perdu 10 follow. Hein. Et bah, heureusement que vous avez mis 30. T'as mis 30? Ah, vas-y, merci, t'as mis 30, trop bien. Franchement. Bof. Vas-y, je la relance. Hop, commencez la prédiction. La win. J'ai plus de points. C'est tout ce que t'avais? T'es sérieux, Sigma? T'avais que 30 points? Genre. Mais prends Omega! Pourquoi tu prends... Prends Omega, t'as plus de points. 30 points. C'est impossible d'avoir juste 30 points. Tu viendrais jamais. Ah, t'as fait alerte psychopathe en plus. Ah d'accord, ok. C'est toi qui a... T'es dépensier, hein, qu'est-ce que tu veux. Allez, this is the way. Il a regagné 30 points, il a tout reparié sur buff. Pour le jeu, c'est pas pour vous. C'est con. Dave, je l'ai tellement rush. Oh putain, je l'ai tellement rush là. Ça a été tellement rapide. Dave, enfin la zone 5 de fini. Le plaisir. Ah. Quel enfer. Par contre, j'ai gagné aucune thune, quoi. Moins 64, sachant que j'ai eu 1000. Rien du tout. Mais 30 points. J'ai perdu 30 points. Sig... Vous avez tous parié... Mes 30 points, il n'y a que... Bah non, t'as pas parié, Wolf. Regarde, sur une run. T'as perdu 30 points. Chez K, fallait croire en moi. Là, t'as pas parié. C'est dommage, si t'avais parié oui, t'aurais gagné 60 points. Je suis désolé, bon bah je suis désolé hein, ça c'est parce que vous croyez pas à ça en moi, hein. Sur une run, mes 30 points, bah vous voyez comme ça, vous êtes tous à équivalence. Le soleil s'est levé, je t'en remercie. Yes. De une run d'écart, c'est dommage, je suis désolé hein, c'est mon cerveau, des fois il fait des trucs bien. Bon, j'essaie de gratter un minimum quand même. Quitte à être là, autant gratos. Même si je gagne que dalle. Détruisez toutes les signes. Énigme à résoudre. Pas de saut.
Ok. Sans saut. Sans saut, je peux le faire. Je voulais parier, mais j'ai pas pu. Ah, je suis désolé, j'aurais dû mettre plus de temps, peut-être. Donc là, je suis bloqué ici. Ah, là, j'ai fait de la merde. Là, je suis baisé. C'est baisé. Eh bien, tant pis, j'aurais essayé. On va essayer de gratter de la thune maintenant. Je suis en mode pas de saut, je suis débile. Allez, on enlève l'architecte. Et vous savez quoi? On va finir la VOD là-dessus, sur ce boss. La VOD est déjà beaucoup trop longue. Sur ce, bah la VOD, je vous fais des gros bisous salés. Attendez, je fais tout à l'envers. Je vous fais des gros bisous salés. C'était un enfer. A bientôt peut-être pour la VOD finale. Mais bon, vu qu'on n'a toujours pas atteint le boss de... On ne sait pas où est le boss et qu'on ne connaît pas la zone. Je ne pense pas. C'est un enfer. La zone 5, c'était un enfer. N'oubliez pas les recettes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fait plaisir. Surtout, n'oubliez pas les recettes, les cuisines fermes, n'importe. Et moi, je vais aller me dessaler. Ciao, ciao.